Plusieurs amis posent une question. James, quel logiciel vous utilisez pour faire live avec plusieurs monde et sur plusieurs plateformes en même temps? On va répondre à une question ça dans la vidéo. Ça. En passant, si vous voulez faire tomber sur cette vidéo, mieux, non pas M. James, si c'est Nek China, monsieur est branché. Nek China, parce que M. Rebou n'est pas venu en Chine, monsieur est branché. Parce que c'est même qui vient avec la plateforme de branché qui l'a motivé, formé et puis informé sur tout ça qui a rapport avec l'entrepreneuriat. Je vous invite à abonner avec YouTube channel nous. Et puis, like et puis partager cette vidéo, ça, si vous faites cette vidéo, ça, la fait plaisir. N'abonnez la question, quel logiciel que vous utilisez pour me capable live avec plusieurs mondes en même temps et sur plusieurs plateformes en même temps, simultanément. Je vais vous montrer le logiciel que j'ai utilisé dès le commencement et qui logiciel m'a utilisé Kounia et qui probablement le logiciel que je comptais utiliser dans le futur. On va regarder ça ensemble. Si nous venons là, on a remarqué que nous sur une plateforme qui est le Zoom. Zoom. US. Zoom, c'est un logiciel que nous utilisons, mais personnellement, dans le business, nous sommes capables de faire un meeting avec soit clients, soit associés, partenaires, et suppliers, etc. Nous utilisons l'ampile, il est très intéressant. Donc, ça, c'est pour me parler de meeting privé. Donc, là, nous parlons comme si public. Donc, on va utiliser Zoom et c'est dans le pricing. On a vu que plan avec pricing, on a remarqué que et y a un personal meeting, ok, mais lui-même c'est 40 minutes meeting dans la durée maximum et une option pour 15 dollars et puis etc. Ok, donc vous pouvez prendre option oui capi bon pour par contre dans même logiciel ça c'est dans même logiciel ça ou bien possibilité pour capable live tout sur Facebook avec sur YouTube. C'est une barre que l'OSS a gagné. Donc, soit utiliser l'OSS à un meeting, en même temps, tout capable live sur YouTube avec sur Facebook ensemble avec. L'homme de fait commencer avec le brancher, comme moi, j'ai une plateforme ça déjà et que je devine ou ajouter option ça, c'est l'une qu'on utilise pour live. Mais tout de suite après, je devine switch pour BeLive, B.Live. OK? B.Live. B.Live sont professionnels live streaming et Medizin. OK? Et il est vraiment intéressant, les mêmes gagné YouTube avec Facebook. Ok, l'été commencé fonctionner super bien jusqu'à ce que moi devine un petit bug ensemble avec moi devine camper sous lui. Si n'a regardé l'ancien live moi n'a remarqué que moi utiliser logiciel ça. Ok, B.Live. Bah on essaie de fixer bug là, mais même des petits problèmes ensemble avec donc devine obligé switch. On va chercher un bagage qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus fiable. Dans le moment et ben moi c'est nous qui a montré le prix pricing pour logiciel ça lui-même. Ou qu'à aller sur BeLive.tv tout. Ok. Pour qu'il y ait une option gratuite, au café 3 chauds par mois, mais c'est deux mouns seulement qui ont l'inscrit. Ça veut dire vous-même avec l'autre monde, vous pouvez mettre plus. Donc, je vais remettre toutes les limitations. Ça. Et de nos jours, il y a une plus bonne option. Je vais remettre toutes les bonnes options à la fin de la vidéo. Ça veut dire que jusqu'à la fin de la vidéo, je vais remettre toutes les options gratuites, chérie, pour qu'on puisse avoir un plus bon logiciel que je viens jusqu'à maintenant. Là. Et là, moment là, c'est ICAM que je vais utiliser. ICAM, dans lui-même, il fonctionne seulement avec Mac. Ok, il fonctionne seulement avec Mac et nous sommes capables là. Et il y a différentes options. Ça a pris le mois, il y a une option free trial, les mêmes les pas gratuit. Et vous pouvez essayer, vous pouvez tester pendant 14 jours de semaine. Après 2 semaines, normalement, vous êtes obligé de payer soit pour une version standard ou une version pour. Et 15 dollars, 25 dollars, bon, prenez pas en pile, mais pour certaines personnes, vous ne doit pas les payer, ou bien, vous avez besoin beaucoup près, ou bien, l'activité que vous avez fait, vous avez beaucoup près, vous payez, et genre de bill, ça aussi, surtout ces bills mensuels que vous avez. OK? Mais, c'est très, très bien. Et jusqu'à maintenant, moi, beaucoup switch, OK, pour notre plateforme, bien que récemment, moi, découvre notre plateforme qui est assez intéressante, probablement, mon cas switch, mais, à moins que vous n'ayez pas vraiment un problème, un bug, un bug, quelconque, c'est que ma prête avec jusqu'à maintenant. Parce que je vraiment aimé les fonctionnaires. Et bah, ça a été un petit learning curve. So, moi, j'étais plus ou moins habitué ensemble avec lui. Et je suis satisfait de lui. OK, il est non. Mais lui-même, il n'est pas vraiment gratuit. Il n'est pas une version gratuite, contrairement avec l'autre. Et dernier, en passant, like cette vidéo, assurez-vous ça cap dire là et puis partagez avec vos familles et amis. Parce que je n'ai plus monde poser une petite question ça qui logiciel que m'utiliser pour me live sur plusieurs plateformes et avec plusieurs monde en même temps. OK? Et dernier c'est streamyard.com. Streamyard.com lui-même tout sous bah pricing là, ou après il y a une option gratis si chérie. Gratis si chérie, il y a une base à 25 dollars, on recevra à 49 dollars. Tout ça c'est le mois ou capé annuellement. Donc payer annuellement. Et il fait un couteau
$20 le mois, donc vous save comme. Et $39 au personnel là, donc vous save comme. Maintenant, après mon flé, hein. Mais ça, même avec StreamYard, c'est que les bonnes possibilités, vous avez 6 participants contrairement avec BeLive qui baille seulement 2. OK? Dans la version gratuite là. Vous pouvez faire screen sharing, vous pouvez share écran, c'est une fonction qui est très intéressante. Vous pouvez mettre banner dans la vidéo, OK? Vous pouvez commenter sous dans l'écran. OK? Et vous gagnez plus ça le green screen, ça veut dire que si des do background vert et puis vous remplacer avec n'importe background virtuel, OK? Il y a monde qui aime option ça. OK? Vous pouvez stream anywhere et StreamYard et même seul problème qui gagne dans version gratuite là, a bien logo StreamYard dans live. OK? Si ça va déranger et moi pense que vraiment c'est meilleure option là dans moment surtout pour monde comme si qui pas veut payer ou bien qui pour en mesure payer et un logiciel de ce genre pour capable live avec plusieurs monde en même temps soit sur Facebook ou bien sur YouTube ou bien sur Periscope. OK, et nous capable StreamYard là qui tout qui côté que ou capable live en même temps et yo parler de Facebook, YouTube, LinkedIn et bien pour que capable live sur Periscope tout Periscope il appartient à Twitter. OK, donc qui est très intéressant surtout le monde qui a utilisé Facebook et YouTube en même temps. OK, il est très intéressant. OK, et sauf forme pour qu'on joue une plateforme qui est live soit la fois Facebook et Instagram. OK, par contre pour quelle raison technologie ça beaucoup dehors, mais si toutefois ou même ou qu'on une plateforme comme ça côté pour qu'on live à la fois Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, 5 plateformes ça, s'il te plaît commenter en bas vidéo ça fait me connait parce que m'a aimé tester plateforme ça parce que m'a cherche une plateforme qui ca live sur toute plateforme ça en même temps surtout Instagram. Moi j'ai une plateforme qui ca live sur Instagram mais elle pas ca live sur Facebook. OK, elle ca live sur Instagram, YouTube etc., mais elle pas ca live sur Instagram et Facebook en même temps. Donc c'est ça m'a cherché même beaucoup jeune donc s'il faut ta jeune et commenter pour nous et puis sous qu'on l'autre plateforme tout si tu me commenter en bas vidéo dis-moi qui plateforme que vous connaissez qui non lié comment utiliser comment lié etc. OK, donc mais plateforme ça on va nous là très intéressant. OK, qu'on utilise Zoom là pour faire meeting et avec business associé etc., professeur d'école etc., puis ça doit faire avec Zoom là qu'on utilise BeLive qu'on utilise Cam sur Mac et Cam là c'est pour Mac seulement sur bien c'est Windows on ne va pas utiliser c'est pour Mac seulement et Cam live ou bien utiliser StreamYard là parce que c'est number one là dans moment. OK, bien que beaucoup vraiment testé lui même bien même qui testé qui dit superbement il fonctionne très très bien image très claire etc. probablement si map switch moi c'est sous les map switch. OK, même pour le présent moi nous satisfait avec iCam non donc sous ta même fait plus vidéo dans sens ça comme t'a parlé de logiciel ça beaucoup plus en profondeur et commenter en bas vidéo afin me connaître et probablement m'a faire une vidéo spéciale sur probablement iCam non et avec ça m'utiliser les gens qui parler de beaucoup plus en profondeur. OK, m'espère que tu remettre vidéo à like et puis partager avec vos familles amis et puis pas oublier abonner avec channel là abonner avec channel noir et puis cliquer sur petit cloche pour pas rater aucune nouvelle vidéo que nous allons poster. Et bien, merci.